je suis attaqué de ouf là. En ce moment je flop sur YouTube et il y a des boutons s'abonner qui m'attaquent parce qu'il y en a qui se désabonnent. Le seul truc que vous pouvez faire pour essayer de me sauver, c'est vous follow sur Twitch. Si je mets ces lunettes là, est-ce que j'ai toute ton attention ou pas? Les amis, sur Twitch, j'ai prévu un projet qui est d'ores et déjà disponible sur ma chaîne Twitch. Ça s'appelle Anime Cartes. T'aimes bien les cartes, les animés? Eh bien si tu viens sur Twitch, tu peux gagner des cartes animées. Voici les explications. C'est quoi Anime Card? Anime Card est un jeu interactif sur la chaîne Twitch de Mino Streaming consistant à collecter des cartes d'animés fictives qui ont différents niveaux de rareté. Vous allez voir, il y a un booster qui va apparaître sur votre écran. Sa couleur correspond à la rareté de la carte qui s'y cache. Vert pour les communes, bleu pour les rares, orange pour les super rares et violet pour les ultra rares. Pour ouvrir le booster, vous allez devoir marquer un certain nombre de points d'exclamation déchire dans le chat. Ce nombre de commandes à marquer s'affiche en haut à droite. Une fois le booster ouvert, la carte apparaîtra avec sa rareté et son taux d'obtention. Pour l'avoir dans sa collection, il faudra dépenser vos points de chaîne en achetant des parchemins qui vous donneront plus ou moins de chances d'obtenir la carte. Si une fois vos points de chaîne dépensés, vous voyez votre pseudo apparaître sur la droite de l'écran, c'est que vous avez eu la carte. Mais sinon, faut recommencer. Ta collection de cartes est consultable immédiatement sur animecards-mino.fr. Ah oui, et les subs ont 3% de chance en plus d'avoir les cartes par rapport aux autres personnes. Et ce nombre augmente de 3% en fonction des tiers. Bonne chance. 1 300 € pour ce projet, c'est bon? Donc viens sur Twitch rentabiliser, t'es ouf ou quoi toi? Viens. Aujourd'hui, là j'ai décidé qu'on sera pas bien à l'aise. Là j'ai décidé que, on va avoir un petit peu du mal à regarder cette vidéo en entier parce qu'on va regarder les TikTok les plus gênants. Ouais, il y a quelques petites compilations sur YouTube et j'ai envie de voir qu'est-ce que les gens ont pu faire. Et bizarrement, je sais pas pourquoi la communauté MHA est mise à l'honneur. À croire que c'est eux les plus gênants, mais il y a aussi One Piece. Hein? Non, je rigole, en vrai la communauté elle est pas One Piece, mais elle est juste insupportable. Alors c'est parti! J'ai peur. Moi le cringe, les gars, je sais même pas comment l'interpréter. Vous allez voir pendant la vidéo, mais je n'arrive pas à interpréter le cringe. J'ai l'impression, il faut que je me mette un truc dans le cul pour que ça passe mieux, genre, hein? Premier TikTok, oi, déjà une image. On dirait Kirishima, aïe. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de... Non. Oh non. Ok, on est déjà sur une première image. Je crois que c'est Mirai Jane de Fairy Tail. Qu'est-ce que tu fous, ma Russ, là-dedans? Qu'est-ce que tu fous dans ce cosplay? Aïe, je le sens mal. Non! Je sais pas comment réagir à ce cringe. En fait, le but de cette vidéo, ça va être de comprendre le but de ces TikTok. C'était quoi le but, là? Ils voulaient ressentir une certaine émotion, passer un certain message, il n'y avait rien. Ok, Dabi, pourquoi pas, ça peut le faire. Ouais. Ah, bizarre. Pourquoi c'est la communauté MHA? Bon, on a eu Fairy Tail au début, c'est vrai. Mais non, mais Dabi, il commençait bien. Un petit cosplay un peu cheap. Pourquoi Himiko faut qu'elle arrive sur ses jambes? Pourquoi? Yeah? Oh, I just wanted to say I really like your style. Wouah, Kakashi! Wesh, Kakashi toi! Comment ça, Kakashi? Ouais, c'est Kakashi ça? Non, Kakashi, quel Karashi! C'est pas Kakashi ça? Mais évidemment! Évidemment que tu mets un Isu dans cette compilation! C'est pas Kakashi ça? Oh non! C'est qui? C'est Kirishima que t'as essayé de faire là? Pourquoi un regard mielleux à la caméra avec des lentilles rouges? Quel est le but? Quel est le but? Non, mais faites quelque chose d'intéressant, d'intrigant, de... qui a un intérêt au cosplay! Là, c'est juste bizarre. Et cringe, c'est le but, mais... Pourquoi? Moi, quand je vois un truc, il faut qu'il y ait un but. Que ça me fasse rire, que ça m'émeut, que ça me fasse pleurer. Là, j'ai juste envie de me cacher sous le bureau. Et sucer 2-3 PDG pour gravir les échelons, quoi? On est... Oh non. Ça, c'est les vidéos les plus gênantes de TikTok et j'ose le dire, je pèse mes mots. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur les vidéos où il y a des mecs qui marchent dans la rue, comme ça, et d'un coup, ils se retournent vers la cam et genre, il y a un ralenti chelou, etc.
c'est les vidéos les plus gênantes de TikTok. Arrêtez ça. Là, c'est typiquement la même chose. Pourquoi faire ? Oh putain ! Oh putain ! Jure ! Kirito et Asuna ? Mais non, Kiritar ! Aïe 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 aïe, Kirito Asuna là. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? La seule chose que je me suis dit après ce TikTok, c'est Yvon Ken. Non, quel intérêt de faire ce TikTok ? T'es à deux doigts de te pécho. C'est que pour que après, quand le TikTok est terminé, les gens, non, les gens, ils applaudissent. Ils applaudissent parce que ça a été bien fait, bien réalisé. Non, ma bite, c'est pour Ken. Je vois que cet intérêt-là pour ce TikTok. Attends, quoi? Alors là, on a un TikTok, je pense qu'il sera pas du tout cringe, mais je pense que c'est la réponse en elle-même qui est cringe. You're blackwashing a character, donc en gros, tu fais en sorte que le caractère... Enfin, elle, vu qu'elle est renoie, le personnage qu'elle va incarner en cosplay va être noir. Le commentaire est en train de dire qu'en fait, elle fait des cosplays de personnages qu'on ne voulait pas voir noirs, et donc du coup, elle mérite toute la haine qu'elle se prend. Le monde est fou, hein. Eh bah, t'as raison, Maros. Izuku, noir, vas-y. Vas-y. Elle, noire aussi, encore. Encore, on veut tout voir. Bien sûr, Zero Two, noir aussi, et alors? C'est du cosplay, vous êtes des malades ou... Ah oui, non, ça c'est un peu gênant. Voilà. Non, non, ça non. Ça non. Ça non, 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 pourquoi? Pause. La communauté MHA, comment vous sentez-vous? C'est la question qu'on se pose, on a vu majoritairement du MHA. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi les mêmes personnes qui shippent Deku et Eri? Pourquoi? Non, j'avoue, là, je suis cringé. Improvisé dans le réfectoire avec des cosplays MHA. Pourquoi faire? Pourquoi le filmer? Pourquoi le poster? Garde ça dans ta galerie. C'est honteux. C'était à la limite du cringe pour moi, et tu sais quoi? C'est le genre de vidéo qui perce sur TikTok. T'as déjà scrollé dans tes pour toi, et t'as vu un TikTok, il avait 100 000 likes, c'est juste un mec, il est là, il fait salut! Fin du TikTok. 100 000 likes. Toi t'es là, tu fais des montages, tu mets des explosions dans le fond, tu montes ta bite, tu floutes. Et tout ça pour 2 likes. Waouh, waouh, waouh. Je crois que j'ai vu trop de TikTok les gars. Si vous avez aimé être cringé par la communauté MHA, il faut le dire, c'est que la communauté MHA. C'est que ça. Je crois qu'il y a un petit truc qui se cache ici. Attends. Il est si dur à attraper. Attends. Putain. Appuie sur le bouton like. Eh, sur ma vie, il pèse une tonne. Appuie sur le bouton like, vite. Ah, attends, j'ai un petit bouton de tout à l'heure aussi. Bon, c'est un petit bouton s'abonner. Hop là. Le laisse pas s'échapper. Waouh, c'était cringe ça. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si le montage vous a plu. On se retrouve sur Twitch aujourd'hui en live à partir de 18h pour tester du coup cette nouvelle fonctionnalité. Merci tout le monde. Rendez-vous dimanche prochain à 10h03. Et ça y est, on reprend des vidéos quasiment only animées. J'ai compris le message. Ciao.